La découverte de la déesse des spéciales, récupérée. Alors là, on a un problème d'arrivée d'essence, c'est-à-dire que le réservoir est obstrué par tous les déchets. Donc, pour l'instant, on fait une technique en direct avec un petit réservoir. Et il faudra changer, évidemment, le réservoir. Il faut aussi remplir deux LHM parce qu'il y a une fuite au niveau du frein. Les sphères vont très bien, mais donc ça, on savait qu'il y a une fuite au niveau du frein. Donc pour l'instant, si on veut l'essayer, on va remplir le LHM et puis la faire démarrer. Voilà, le moteur est en dehors de ça, nickel, tout comme la voiture qui a un certain âge, mais qui est encore très bien conservée. C'est une D spéciale de 1975, je crois, qui est donc avec une boîte mécanique, donc avec et puis qui n'est pas injection, qui est avec des carburateurs. C'est quel type les carburateurs? Carbu. Comment c'est la marque? C'est quoi les carbus? C'est un Solex. C'est un carburateur Solex. Alors après vérification, c'est un Weber double corps. Et c'est un moteur de 2 litres, ça, non? 2 litres. De 2 litres. T'as le code du coffre et les bancs. Voilà, à l'intérieur. On a aussi des banquettes en simili qu'on va pouvoir réinstaller. Et puis voilà, à l'intérieur des spéciales qui sont ceux qui ont succédé aux idées 19. Et nouvelle a été mise, toujours une batterie bleue. Et puis, on va voir avec un tour de clé si ça marche. Allez, c'est parti. Faut qu'il trouve la serrure, évidemment, parce que avec ses lunettes, il voit pas bien grand chose, mais. Voilà, c'est pas encore. L'essence arrive peut-être pas avec le système qu'on a fait. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc l'ancêtre, la petite ancienne grand-mère, bah, a décidé quand même de repartir. Elle tourne très bien, très rond, comme on l'entend. Elle va se lever même, avec un peu de chance. Voilà, elle est en position haute, et ben voilà, elle est bien levée, et oui, sans problème. Donc ça y est, le LHM a diffusé partout, et elle est en pression. On va pouvoir faire un petit essai de rouler. Alors les phares, tout s'allume, ils tournent, toujours sympathique, ça clignote. Donc au niveau électricité, on n'a pas de surprise. Ça va bien. Là, le mécanicien de choc, Jean-Marc, la J-Moto Classique, va passer la première et va sortir. Voilà, on voit que les feux tournent. Sympa ça, voilà, ça tourne bien. Les feux tournent. Et ça roule. Les phares, regarde les phares, comment ça tourne. Voilà, ça c'est sympa. Vas-y, tourne de côté. Et ouais, super. Bon, il est pas peu fier, Pépé, de conduire. Ça fume un petit peu en dehors du pot d'échappement. Hein. Il doit y avoir des petites fuites dans l'air. Voilà, il est parti, il ne s'arrête plus.
Alors voilà. Et ça freine bien. Surtout qu'on l'a rempli de LHM. Alors. Voilà, donc là, Christian va donc prendre en main for the first time, pour la première fois, sa DS20 Super. Ça glisse. Donc il faudra qu'il rapproche son siège à peau parce qu'évidemment il est, un peu bas. Oh, putain. C'est parti là. Bon, bah c'est bien. Hein. Allez. Alors, cette première impression, c'est sympa, je veux dire. Cette première impression. Ça glisse, c'est agréable. Ça glisse aussi dans le pédalier, parce qu'évidemment, les freins. On a une petite fuite de frein là. Et ça, ça va se réparer, sinon bien. Hein. Alors, il y avait tout là-dedans. Ça, tu dis que c'est le frein à main, ça. Ouais. Et quand Non, t'as pris avec le pied. Et là, ça fait quoi, ça? Vas-y, appuie avec le pied gauche. Et à quoi ça sert de mettre ça là? À le débrayer. À le débrayer. Vas-y, appuie sur ton frein. Voilà. Et après, tu tires sur la poignée. Ah d'accord, donc là, c'est le frein. Voilà, vas-y. Voilà. Ah d'accord, nickel. Ça, c'était les feux, je sais pas quoi. Ça, c'est la température qui est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Un contour. Donc elle a 150... 4000 km, elle tient bien le ralenti. Là, il y a tous ces voyants là, avec ça, c'était les freins. Il y avait à cette époque toujours la même chose, des cendriers. Ça, on sait pas ce que c'est, on verra ça plus tard. Si, je sais pas. Bon, allez, vas-y, rentre. Allez, rentre en marche arrière. Bah, vas-y, fais-le. Ah non, parce que attends, on va peut-être se mettre sur le côté pour sortir les autres voitures. On va la ranger, il y a quelques petits travaux à faire, donc les freins évidemment, et puis le réservoir à changer. Donc le changement c'est mieux que le nettoyage qui a priori est sur ce type de véhicule, marche pas trop, il reste toujours des cochonneries. Voilà, donc réservoir et puis tringlerie, canalisation, et ça va le faire. Les pneus évidemment, et il faudra les changer. Parce qu'ils ont un certain nombre d'années. Mais voilà, c'est une belle petite voiture sympathique. Voilà, une fois qu'elle sera polichée, bichonnée, eh ben on va pouvoir prendre du plaisir. Ben voilà, Jean-Marc résiste pas à refaire un petit tour avant qu'on la range et qu'on attende les pièces pour aller réparer et la mettre à niveau. Voilà, le spécialiste des anglaises. Pour une fois, il va s'attaquer aux françaises.